Salut Sylvain. Bonjour. Rendez-vous en marchant en bord de Marne entre deux membres de l'association Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, qui est notre association d'entrepreneurs. On vous convie d'ailleurs le 22 juin à venir aux 20 ans de Vivre et Entreprendre. Vous allez sur vivreentreprendre.fr. Voilà. Alors, et dis-moi Sylvain, pourquoi Vivre et Entreprendre? Donne-moi les trois raisons pour lesquelles vous êtes venu, d'ailleurs toi et Simone qui est là, d'ailleurs on la voit Simone, à Vivre et Entreprendre. Ben, la première raison, c'est de pouvoir être aidé dans notre activité, parce que c'est pas toujours facile de savoir quoi faire en fonction des difficultés, et donc être confronté à un réseau de professionnels qui vivent les mêmes expériences, ben, c'est mieux vivre sa propre activité. Ouais, on est aidé par d'autres qui partagent également leur expérience dans des domaines complémentaires aux nôtres, hein, oui, par exemple la prospection, la vente, les réseaux sociaux, etc. Tout à fait. D'accord, deuxième raison, et on va tourner par là. La deuxième raison, c'est pouvoir créer un lien social avec d'autres personnes, parce qu'auto-entrepreneur, on est quand même souvent seul finalement dans sa propre activité. Ouais. Et donc finalement, être mis en relation avec d'autres professionnels, c'est aussi créer du lien social dans le monde du travail. Ouais, on n'est plus tout seul, quoi. Exactement. Parce que c'est vrai que la solitude de l'entrepreneur, ça existe. Même quand on est deux comme vous, hein, Simone. Tout à fait, oui. Voilà. Bon, troisième raison. Et la troisième raison, c'est aussi pour gagner en visibilité, notamment le réseau, tout à fait. On est en contact avec d'autres professionnels, pourquoi pas peut-être un jour créer des associations professionnelles, mais aussi, comme aujourd'hui, être mis en visibilité sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Oui, alors je vous signale qu'il faut aller voir doussoleil.fr, effectivement, et acheter des maillots de bain et des vêtements de sport anti-UV, c'est-à-dire tressés d'une manière très particulière, j'ai bien compris, hein, pour vos enfants de 0 à 12 ans, ou je ne sais pas quoi. 0 à 14. 0 à 14, voilà. Hein. Simone dit au revoir à tout le monde. Enfin. Simone, elle avait encore le syndrome de l'imposteur et s'est dit, oui, oh, c'est mieux. Merci à vous deux hein, d'être avec. Attends, on te voit là? Oui, on la voit, elle est là. Bye bye, on va continuer notre balade en bord de Marne.